Travailler pour un projet en blanc, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'aller chercher des sujets pour trouver des spécificités alors qu'on n'a pas l'acquéreur. Donc ça peut être l'urbain, ça peut être les espaces communs. Mais travailler pour un utilisateur connu, c'est vraiment une aventure extraordinaire que nous, on a vécue notamment avec Renault, puisqu'on a refait leur pôle design à Guyancourt, où on a enfin, on peut identifier les besoins d'un utilisateur et nous lui apporter nos idées. Et du coup, il y a une espèce de relation fusionnelle très enrichissante pour tout le monde qui s'installe et qui nous permet de concevoir des espaces souvent même très innovants et qui vont parfois au-delà de ce que l'utilisateur souhaitait. Ça permet de concevoir du mobilier, d'aller très loin dans le détail et d'avoir des réponses très très sur mesure qui n'enlèvent pas la flexibilité d'un bâtiment.